moi c'est Yakine, j'ai 28 ans et je vais faire un bachelor RH pour la rentrée février. J'ai décidé de faire une rentrée en décalé dans le cadre de la reprise de mes études. J'étais partie au Canada pendant 2 ans et quand je suis revenue, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour savoir ce que j'allais faire. La rentrée en décalé, du coup en février pour le bachelor RH, je suis tombée vraiment à pic. C'est vrai que j'avais certains a priori sur la rentrée en décalé, notamment parce que j'en avais déjà fait une en BTS, qu'on va être en retard par rapport aux cours déjà passés, qu'on va devoir tout rattraper, que ça va être 3 fois plus de boulot. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour pouvoir réviser et passer mon examen? J'ai choisi le bachelor RH, j'ai fait un BTS assistant manager. Donc dans un premier temps, pour moi, c'était la suite logique suite à mon BTS. Et également parce que j'ai vu qu'au Canada, j'ai été amenée à former en fait des salariés et j'ai adoré ça. Du coup, en revenant en France, je me suis dit pourquoi pas faire une formation RH et ensuite me spécialiser dans le développement d'entreprise et la formation des salariés. Je suis actuellement en alternance au sein de l'entreprise Accor Alternance et au sein du service administratif avec Yasmina Chviki. J'avais déjà fait mon BTS en alternance avec elle. Du coup, ça se passe très bien. Je m'occupe de tout ce qui est gestion administrative des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Dans mon cas, c'était vraiment une opportunité qui est tombée au bon moment. J'étais restée en contact avec ma responsable Yasmina Chpiki. Elle m'a proposé de venir travailler du coup au sein de son service. Alors non, ce n'est pas trop dur le rythme en décalé. En initial, on a beaucoup plus de temps qu'il est nécessaire. En décalé, on a l'impression que ça va être un temps trop court, alors qu'en fait, c'est un temps qui va totalement nous correspondre. C'est un temps qui convient parfaitement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de choisir la rentrée en décalé. Quand j'ai voulu reprendre mes études et faire un BTS, je me suis dit, bon, on va commencer en septembre, comme tout le monde. Et finalement, j'ai galéré pour trouver une entreprise. Et l'opportunité de la rentrée en décalé est arrivée, et ça a été l'arrivée du Messie. C'était Yakine sur le sujet des rentrées en décalé. À bientôt chez Thalys!